aujourd'hui, nous allons voir une expression qui nous réjouit dans la douleur. Et c'est faire les 400 coups. De nos jours, vous utilisez cette expression pour dire qu'une personne ou vous-même faites la fête à tout va. Par exemple, dernièrement, j'ai pris un sale coup. Du coup, j'ai bu un coup. Et puis d'un seul coup, je me suis retrouvé à faire les 400 coups. Mais d'où vient cette expression ? Nous vient du XVIIe siècle. Lors de la guerre menée par le roi Louis XIII contre le protestantisme, la ville de Montauban fut attaquée par 400 canons censés faire plier les habitants de la ville. Mais ils ne se sont pas rendus. La légende raconte même que les habitants auraient festoyé au milieu des tirs de canon. L'expression était née et elle est restée pour dire qu'une personne qui fait les 400 coups mène une vie désordonnée et ne respecte pas les us et coutumes. Voilà d'où vient cette expression. Donc, faire les 400 coups, c'est faire une fête durant laquelle tous les coups sont permis. Mais alors, si un bourreau décapite 400 condamnés, peut-on dire qu'il a fait les 400 coups ? Mais s'il n'y en a que 4, là, du coup, on peut dire qu'il a fait les 400 coups. À y réfléchir, ça vaut le coup. Allez, au revoir et à bientôt. Au revoir.